Chande da mararia da barosa. Yeah. Oh, nous voulons te couronner, t'adorer, lumière du monde. Yeshua. Nous voulons te contempler et t'aimer. Nous voulons te célébrer et t'adorer. Nous voulons exprimer notre gratitude. Yeah. Notre plus belle rencontre, notre plus belle expérience. Amour de nos vies, héros qui sauve. Rédempteur, bienfaiteur, bouclier, bien-aimé. Rocher, allégresse, forteresse. Avocat, médiateur, intercesseur, bâtisseur, fondement, bouclier. Oh. Si tu n'étais pas rentré dans ma vie pour m'allumer, je serais encore dans les ténèbres de la sorcellerie, dans les ténèbres de l'embarras, de la disgrâce, du manque de confiance en moi, dans les ténèbres de l'impudicité, de l'impureté, des perversions, de la débauche. Mais grâce de soi rendu à bas, de ce que tu as envoyé la lumière nous éclairer. Oh non, nous ne sommes pas encore là où nous voulons, nous devons être, mais Dieu merci. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as fait sortir et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous voulons célébrer le nom. C'est le nom de notre sortie, c'est le nom de notre rançon, le nom de notre Pâque, le nom de notre héros, le nom de notre bouclier, de notre bannière et de notre bienfaiteur. Oh, y a-t-il quelqu'un qui veut élever, célébrer, pas le nom d'un pasteur chrétien, pas le nom d'un pasteur, non, mais nous sommes là assemblés en son nom pour élever et publier le nom de Yahweh. Il est la parole de Dieu, faite chair. Paul dit à son sujet, bien-aimé, il est Marocos Kebrakiso Tabaya. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né d'entre les morts. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les dignités, les dominations et les autorités. La Bible dit dans Colossiens, à partir du verset 15, que tout a été créé pour lui, en lui et par lui, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts. Oh, nous voulons te célébrer afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. À son sujet, Esaïe te dit à son sujet, oh méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous n'avons fait de lui aucun cas, nous n'avons pas calculé. Israël ne l'a pas calculé, ils n'ont pas fait attention à lui. Alors que la Bible dit, mais cependant, il était brisé. Et cependant, ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme méprisé, frappé, humilié, puni par Dieu. Mais attention, ce n'était que la scène physique. Parce que la vérité, c'est qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Oh merci, tu as pris ma place. Tu m'as donné ta place. Oh, tu as pris, Seigneur, mon esclavage. Tu m'as donné ta royauté. Oh, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel ses bontés envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'élèverai un autel d'action de grâce. J'élèverai un autel de gratitude en l'honneur de ton nom. Oh Seigneur, quand j'ai vu les photos de mon enfance, il n'y a rien qui pouvait prédire qu'un homme insignifiant.
lequel personne n'avait parié, sur lequel le diable n'avait pas misé. Parce que les hommes de ce monde, oh tu sais, beaucoup d'entre nous, ils ont regardé à la condition de ta naissance. Ils ont regardé à la manière dont tu as grandi. Et ils se sont dit, rien de bon ne peut sortir de cette vie. Rien de bon, il est déjà dans les ténèbres. Il habite dans les ténèbres. Rien de bon ne peut sortir d'un tel homme. Rien de bon ne peut sortir d'une telle femme. C'est parce qu'ils ne savaient pas que ma vie allait rencontrer la lumière, la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il m'a vu dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres de l'impunicité, dans les ténèbres du mépris, dans les ténèbres du désespoir, du découragement, de la dépression. Oh, ils n'ont pas misé sur toi, ils n'ont pas misé sur moi. Mais comment ne pas être reconnaissant envers celui qui a misé sur moi, qui m'a choisi avant la fondation du monde, qui m'a élu. Oh, je n'ai pas été voté, sinon je n'aurais pas été choisi. J'ai été sélectionné sur la base, non pas d'un vote des hommes, mais sur la base de la volonté souveraine de Dieu. Il a dit, je l'ai aimé, je l'ai choisi avant la fondation du monde. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a élevés dans la gloire. Et c'est la vie de Dieu. C'est un prodige à nos cieux. Je refuse de me taire dans l'assemblée. Accorde-moi la grâce de t'offrir la louange, l'honneur et l'allégresse qui te sont dus. Yeah. Oh, nous t'implorons, amour de nos vies, passion de nos cœurs. Merci de nous avoir allumés. Merci d'avoir entendu les cris de nos cœurs, les cris d'impuissance, les cris de vulnérabilité, les cris de désespoir, parce que nous en avions assez d'être molestés, comme le témoignage de Gadara. Il criait, mais c'est parce qu'il était pris en otage par 6000 démons. Légion, c'était 6000 démons. Comment peut-on s'abattre sur un seul homme? 6000 démons. Ce diable n'a aucune compassion. Ce diable est cruel. Ce diable est méchant. Non seulement il est éloigné de sa maison, c'était un père de famille qui était éloigné des siens. Et il a été emporté par des démons. Légion, 6000 l'ont emporté dans des sépulcres. Et la Bible dit qu'il se tombe, passer son temps à se meurtrir, à se blesser, à s'enchaîner, à se blesser. On a essayé de le cadenasser, mais à chaque fois, il était pris d'une telle violence qu'il brisait les chaînes. Personne ne pouvait lui parler, personne ne pouvait l'éduquer. Toutes les techniques d'éducation n'ont pas marché. On n'a pas réussi à mettre des bornes. On n'a pas réussi à l'éduquer selon des valeurs saines. On n'a pas réussi parce qu'il brisait tout sur son passage. Il était rempli de rébellion, rempli de haine, rempli de désobéissance. Et cet homme, mon frère, ce n'est pas que le démoniaque de Gadara. Cet homme est une ombre, est une image de toi et de moi. Avant que le Seigneur ne manifeste ses compassions, ses bontés, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le ventre de ma mère, de révéler en moi son fils, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Oh, il y a eu un jour où il a plu à celui qui t'avait mis à part dès le ventre de ta mère, ce jour-là, de révéler en toi son fils, parce qu'il a entendu la voix intérieure, la voix de tes supplications, parce que cet homme criait, cet homme se meurtrissait, cet homme disait, misérable que je suis, cet homme était esclave de 6000 démons, 60 groupes de sang, c'est-à-dire il y avait 60 centurions. Oh mon Dieu, cet homme était pris en tenaille. Il avait certainement la volonté de changer, mais il n'avait pas la capacité, jusqu'à ce que la lumière véritable qui entre dans la vie d'un homme l'éclaire, lui donne la révélation. Oh, merci. Merci. Oh yeah. Personne ne nous a aimés comme tu nous as aimés. Personne n'a fait le voyage en sens inverse. Personne n'avait jamais quitté l'éternité
Personne n'avait jamais renoncé. Oh, bien-aimé, te souviens-tu de ce passage dans le livre de l'Apocalypse où une voix a retenti et a demandé, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? Qui a envie de venir sur la terre? Qui a envie d'aller sur la terre pour sauver l'espèce humaine? Qui veut y aller? Tu as posé la question à travers le livre d'Ésaïe. Ésaïe a entendu la conversation. Qui ira pour nous? Qui enverra-t-on? Et aucun ange n'a répondu. Personne, aucune créature dans le ciel, sur la terre ou sous la terre n'a répondu. Qui enverra-t-on? Qui ira pour nous? Personne ne s'est présenté devant. Personne n'a dit, moi j'irai. Ah non. Les anges ont dit, ah non, non. Michael, Gabriel, ils ont dit, ah non, non, non. Moi je suis revêtu de gloire. Ah je ne peux pas. Ah non, non, non. Qui va rentrer dans un corps humain? Qui va rentrer dans un corps souillé? Qui va rentrer dans un corps imparfait? Alors, la voix du Fils s'est fait entendre. Et le Fils a dit au Père, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Alors j'ai dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Père, moi j'irai. Les autres ont dit, ah non, pas la parole. Parce que tu comprends, on ne l'appelait pas Jésus. On l'appelait la parole qui a créé le monde. Mais la parole ne peut pas quitter le ciel et aller sur la terre. Mais non, c'est du désordre. Ah non, la parole ne peut pas y aller. Voilà pourquoi, lorsqu'il était en pleine agonie à la croix de Golgotha, Jésus a dit, si je voulais sortir, descendre de cette tombe, il me suffirait d'invoquer une légion de la part de mon Père. Et je vous assure que vous allez voir les chérubins, les séraphins, vous allez voir les archanges et entrer dans la bataille. Et ce combat allait prendre fin. Est-ce que tu imagines la scène? Est-ce que tu visualises cette scène où la Bible dit que tous les anges désirent depuis longtemps plonger leur regard dans ce mystère? Ils désirent plonger leur regard dans l'évangile. Parce qu'imaginent la scène, comment notre Créateur, par qui nous avons été créés, est pendu sur le bois, est pendu à la croix. Et les impies, les incirconcis d'êtres humains, l'injurie, se moque de lui et lui disent, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Oh, est-ce que tu vois l'armée angélique qui était autour de la croix de Jésus et qui avait juste envie de dégainer leur épée? Et un seul ange aurait décimé toute l'armée romaine à lui tout seul. Et j'entends les anges dire, maître, laissez-nous intervenir, laissez-nous agir. Et là, le Père dit, non, épée au fourreau. Il doit boire la coupe, il doit racheter l'humanité, il doit souffrir. Parce que par sa souffrance et son sacrifice, mon juste accomplira l'expiation. Ce sang est nécessaire, parce que c'est le sang qui est requis devant la cour céleste de justice. C'est le sang qui doit faire la paix entre cieux et la terre. C'est le sang qui doit réconcilier les hommes avec Dieu. Épée au fourreau, n'intervenez pas. Il doit boire la coupe, il doit prendre la place de l'espèce humaine, il doit me donner une famille, il doit m'enfanter des enfants afin que le premier-né ne reste plus le premier-né, mais qu'il devienne le grand frère, le premier d'entre plusieurs frères, qu'il ne devienne plus l'unique, mais qu'il devienne le frère aîné. Oh, honneur, louange et gloire à celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de lui-même. Il a enfilé un vêtement, un corps humain, un corps de serviteur, et il s'est rendu serviteur, esclave, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, dans les royaumes des eaux, dans les royaumes des lacs, dans les royaumes des savanes. Oh, et que toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi ce soir nous déclarons et décrétons, porte de la francophonie, porte de la France, porte de méga impact conférence, porte des extrémités de la terre, porte de l'Europe, porte de l'Afrique, porte de l'Asie, porte de la Caraïbe, porte de l'Amérique, porte
laissé entrer sur cette semaine le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, Jésus le Christ. Oh, quelqu'un a raté une bonne occasion pour lui faire une reine d'honneur, une reine d'honneur, une reine d'honneur à travers des acclamations. Fais ton entrée, fais ton entrée. Le bien-aimé, tu es mon rédempteur, tu es parti me préparer une place afin de me prendre avec toi. Voilà pourquoi, lorsque je quitterai la terre, oh, les gens pourront dire il est mort, mais moi je sais que je serai parti auprès de toi, me reposer de mes œuvres en attendant de revenir régner sur la terre au siècle des siècles. À celui qui par son sang nous a lavé, racheté et a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Jésus le Christ soit la louange et l'honneur et la gloire et la force et la sagesse et l'action de grâce dès maintenant et dans toutes les générations. Yeah. Yeah. Dans la gloire pour la perfection de ton œuvre, la perfection de la rédemption, toi qui as tout accompli, tu as racheté et restauré nos destinées, tu as racheté et restauré notre royauté, tu as racheté et restauré notre dignité lorsque ta barbe a été arrachée. Tu as racheté et restauré notre santé lorsque tu as livré ton dos. Tu as racheté et restauré notre victoire et notre triomphe lorsque tu as livré ton dos. Tu prenais la fuite pour que plus jamais nous n'ayons à prendre la fuite. Tu as racheté et restauré notre diligence, notre productivité, notre force. Tu as racheté et restauré notre richesse, notre domination. Tu as racheté et restauré cela lorsque tu as livré tes mains. Tu as racheté et restauré notre solidité, notre stabilité, notre autorité lorsque tu as livré tes pieds. Tu as racheté et restauré nos cœurs. Parfaite, elle ne souffre d'aucune contestation et il n'y manque rien. Voilà pourquoi tu as dit tout est parfaitement parfait, tout est accompli. Et tu ne t'es pas arrêté là, tu as donné ta vie pour nous, tu es mort, tu as été enseveli, tu es descendu aux enfers pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts, et tu nous as récupérés avec toi. Tu n'es pas seulement ressuscité, non. Tu n'es pas ressuscité en nous laissant dans le séjour des morts, te regarder partir, non. Tu es venu, tu as ouvert les cellules et tu as fait sortir les saints de tous les temps.
les patriarches, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Daniel, les Joseph. Tu as fait sortir tous les prisonniers qui espéraient en toi. Oh, honneur à Yerushalayim. De ton sacrifice, désormais quiconque croit en toi et expire sur la terre n'a plus besoin de descendre automatiquement. Il est sous le pied, il monte. Parce que à la résurrection, la raison pour laquelle le jour où tu quitteras la terre, tu n'auras plus besoin de descendre, c'est parce que à la résurrection, il t'a fait monter déjà. Tous ceux qui croient en lui, il les a fait tous monter et il nous a ressuscités. Tu vois, quand il est ressuscité, tu vois, il y a des gens dans ce monde, lorsqu'ils sont élevés et qu'ils brillent, ils prennent plaisir à être élevés et à voir les gens en dessous d'eux, en dessus d'eux, et puis ils les regardent. Et puis ils aiment lorsque tu viens quémander, parce qu'ils ne prennent pas plaisir à faire monter les autres avec eux. Mais lui nous a tellement aimés que lorsqu'il est ressuscité, il n'a pas vaincu la mort tout seul. Non, il a fait en sorte que toi aussi, tu puisses vaincre la mort. Parce que si tu n'avais pas vaincu la mort, tu ne pourrais pas ressusciter. La raison pour laquelle le menu de la résurrection est certain, c'est parce que ça a déjà eu lieu dans l'invisible. Si ça n'avait pas été accompli dans l'invisible, ça ne pourrait pas se manifester dans le visible. Voilà pourquoi tu dois déjà rendre gloire et acclamer, parce que ta résurrection a déjà été établie et rachetée. Oh. Personne d'autre n'est digne d'honneur, digne de louange, digne de gloire et d'acclamation comme lui, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception de... Yeah! Yeah! De ma destinée, laisse tomber les films des super-héros, laisse tomber les bandes dessinées des héros. Il y a un seul qui est le véritable héros. Sophonie l'appelle le héros qui sauve. Oh, oh, oh. Iron Man ne t'a pas sauvé, il Superman ne t'a pas sauvé, il t'a sauvé, il m'a sauvé. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le héros qui sauve dans les églises connectées sur ICC TV? Y a-t-il quelqu'un pour faire monter les grappeurs? En l'honneur du héros qui sauve. Yeah. 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 Seulement tu as tout accompli, mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu n'es pas seulement monté pour t'asseoir. Non, tu as dit je ne vous laisserai pas seul. Et vous êtes avantageux que je m'en aille. Alors tu as tapé dans la main du consolateur, le paraclet, celui que la Bible appelle le plus fort, afin qu'il vienne habiter en moi. Oh, 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 oh. Makora macha. Oh, et tu as couronné la boucle. Oh, honneur, louange et gloire. Oh, malamo sayama. Alors il est monté, mais il est encore revenu par son esprit. Prends les rênes, prends le commandement. Oh, que ton règne vienne. Yeah. Laisse-moi acclamer l'Esprit de Jésus qui est venu prendre place à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi il est écrit, mais vous l'avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand, il est plus costaud, il est plus fort
que celui qui est dans le monde. Ah, oh, bienvenue par appeler, nous t'honorons, nous te célébrons, Esprit de Jésus. Yeah. Yeah. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous d'être conscient de qui tu es, de ce que tu as fait. Conscient de ce que nous ne sommes que des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Ne nous laisse pas rater notre mission. Ne nous laisse pas passer à côté de notre destin. Nous t'implorons. Viens étendre ta main sur cette semaine. Rassemblement des nations soit pour toi. Rassemble-nous des extrémités de la terre. En présentiel restreint. En présentiel dans toutes les églises. Et connecté à travers le monde. Dans toutes les langues représentées sur les différentes chaînes ICCTV. S'il te plaît, viens parler à l'église. Viens nourrir. Viens construire, viens bâtir, viens perfectionner, viens établir, viens enraciner, viens embraser, viens engendrer, viens enfanter cette église glorieuse, sans tache ni ride, cette église de triomphe, cette église de distinction, cette église de lumière, cette église de sel, cette église qui t'honore. Cette église qui t'adore et qui te révèle au monde, à notre génération et aux générations futures. Viens par ton esprit faire infiniment au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit. Ne viens pas exalter les hommes de Dieu, viens révéler le Dieu des hommes. Nous t'implorons. Viens nous soulever, viens nous changer, viens nous transformer, de sorte que dans cette décennie, il y ait véritablement un avant et après MIC 2021. Viens confirmer la parole prophétique de ton serviteur. Viens donner gloire à toi. Yeah, yeah. En ton nom, nous avons prié. Yeshua. Véritable, qui va nous allumer à partir de maintenant et qui vient faire briller son église au milieu des ténèbres comme jamais auparavant. Amen à celui qui est dans sa main. Amen à celui qui envoie sa parole. Amen au Dieu de la résurrection. Amen au Dieu de la distinction. Amen à des destinées rayonnantes. Amen à cette lumière qui va briller comme jamais auparavant. Amen à la fidélité de notre Dieu. Selon toutes les paroles que tu as prononcées et que tu vas prononcer encore cette semaine. Amen. Dans le nom de Yeshua. Amen. Dans le nom du héros qui sauve. Amen. Dans le nom de notre libérateur. Amen. Guérisseur, bienfaiteur, bâtisseur. Avocat
souverain sacrificateur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous tournons, nous te célébrons, nous te couronnons. Nous accueillons ta main étendue sur nous. Oh, chaque jour de cette semaine, accorde-nous la grâce de faire le plein de dépôt, afin qu'à la fin de cette semaine, un dépôt qui ne sera plus jamais vidé, mais qui ira en augmentant, soit assis, soit compacté, soit solidifié en nous, par l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. Amen à celui qui a commencé cette belle œuvre et qui est fidèle pour la rendre parfaite. Premier-né d'entre les morts. Amen à l'image du Dieu invisible. Amen au premier-né dans toute la création. À celui par qui et pour qui sont toutes choses. Et celui en qui toutes choses subsistent. Amen à la parole de Dieu faite de chair. Amen à celui sur la poitrine duquel il est écrit. Roi des rois. Et sur sa cuisse, Seigneur des seigneurs. Celui qui juge et combat avec équité. Amen au plus magnifique des chefs d'État, de l'univers et de l'éternité. Amen, 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 amen. Amen, amen. Et ramassé la maya. Ne cesse pas de l'acclamer, ne cesse pas de l'acclamer.